Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez la vidéo, bien sûr. Alors, je vais vous faire une présentation d'une petite tablette que j'ai achetée, une Lenovo. Alors, c'est la Lenovo Tab 2 A7. C'est une tablette de 7 pouces qui vaut 99 euros. En ce moment, il y a une promotion dessus. On vous rembourse 30 euros en magasin. Moi, c'est ce qu'on m'a fait, hein, 30 euros. Et il y a un remboursement de 30 euros chez Lenovo. J'espère qu'ils vont me rembourser, j'attends, hein. J'ai envoyé tout ça, j'espère que ça va se faire, on verra bien. Alors avant de commencer sur la tablette, je voulais d'abord faire un petit remerciement à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui ont mis des likes, qui ont partagé, etc., qui m'ont laissé des commentaires très sympathiques, ça m'a bien fait plaisir. Voilà, merci beaucoup et j'espère que ce sera un peu plus encore et ce sera très bien. J'ai fait plus de 7000 vues sur la vidéo du P8 et franchement, merci beaucoup à tout le monde. Voilà, alors la tablette est nouveau. Alors, sur les côtés, bon, bah, rien de spécial, hein, voilà, c'est une tablette, il n'y a rien de spécial sur les côtés, voilà, les nouveaux. À l'arrière, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit le processeur, alors, MTK 8027, ça ne me dit pas grand-chose, mais bon, voilà, 1,3 GHz. C'est une 7 pouces, 1024 par 600 IPS. Il y a 1 giga de RAM, 8 Go de mémoire, Wi-Fi, Bluetooth. Alors, elle était sur Android 4.4 quand je l'ai acheté. Mais dès que je l'ai eu, il y a eu deux mises à jour et maintenant elle est sur Android 5.0. La batterie, c'est une 3450 mAh. Ensuite, la référence exacte, c'est Tab 2 A7 10F. Voilà. Et puis voilà, on va passer au déballage. Bon, c'est une tablette, ça fait quand même plus d'un mois que je l'ai. Hein. C'est un mytho déballage que je vous fais, mais bon, j'ai fait comme dans l'art de la chose, mais ça fait plus d'un mois que je la teste. J'aime bien tester les produits avant de les présenter. Voilà. Alors ici, vous avez un petit truc de garantie, un petit manuel qui est en français. Hein, si vous avez besoin, il est en français. Voilà, ça on n'en parle plus. La tablette qui était présentée comme ça, hein, dans une petite pochette en plastique. Alors, je vais la sortir déjà. On va la mettre ici. Ensuite, dans la boîte, il y a un petit chargeur qui est très bien. Franchement, le petit chargeur, lui, rien à dire. C'est 1 ampère. Franchement, il n'y a aucun problème sur ça. Impeccable, quoi. Ensuite, il y a un petit câble, bien sûr, qui a une longueur correcte, qui est vachement épais. Hein, vraiment une grosse épaisseur du câble. Seul petit défaut, c'est au niveau de la prise USB, là. Ici, la micro USB, elle tient pas bien, quoi. Au début, elle tenait très bien, mais je sais pas, avec le temps, elle a un petit peu de jeu. Bon, elle charge toujours, il n'y a aucun problème, mais elle tient pas super bien, quoi. Voilà. C'est le seul défaut que j'ai trouvé sur cette tablette. Qui coûte 99 euros et bon à la fin elle me coûtera normalement 39 euros. Alors je vous fais un petit tour de la tablette. En haut, là je sais pas si vous verrez mais vous avez le jack, le chargement. Côté gauche il n'y a rien du tout. En dessous vous avez juste un micro. Sur l'autre côté bouton on/off, bouton du volume plus moins. À l'arrière, il n'y a pas d'appareil photo, c'est une tablette où il n'y a pas d'appareil. Hein. C'est marqué Lenovo, son Dolby. Bon, c'est vrai qu'elle a un bon son. Pour une tablette à ce tarif-là, elle a vraiment un bon son, c'est vrai. À l'avant, alors vous avez l'écran. Les bordures sont pas trop épaisses, je trouve, ça va. Ici, vous avez le haut-parleur, ce qui est vraiment bien d'avoir le. Bon, dommage, il n'y en a pas deux. Mais il y a un haut-parleur en façade qui est vraiment pas mal, quoi. Le son est assez puissant et vous avez vraiment le son qui vient toujours en face quoi. Il y a un appareil photo, mais vraiment pour dire qu'il y en a un, hein, parce que c'est plutôt pour faire de la visio, choses comme ça. Les photos, c'est vraiment très très mauvais quoi. Mais pour faire de la visio, ça fonctionne. C'est un écran de 7 pouces. Et puis voilà. Alors je vais vous l'allumer. Voilà. Alors je sais pas si on voit bien, j'ai peut-être augmenté un peu. Comme ça, je pense que ça sera peut-être mieux. Voilà. Alors ouais, franchement c'est fluide et tout, il n'y a aucun souci. La tablette, elle est vraiment sympathique.
Bon, ici, vous avez les petits réglages. C'est vraiment Android stock, hein. Je trouve que c'est vraiment stock, quoi. Niveau Wi-Fi, c'est un peu léger, la réception du Wi-Fi, mais ça fonctionne, quoi. Ensuite, les Bluetooth, il y a un GPS dedans. Bon, ben voilà, hein. Là, vous voyez, j'ai des petites infos qui sont arrivées. Alors, je vais vous dire déjà, les premières choses. Alors, je vais regarder si j'ai rien que je ne vais pas vous montrer. Comme je sais que les gens sont vachement intéressés, voilà, le premier truc que je vais vous montrer, c'est ça. J'ai fait un screenshot dans Antutu qui tombe à 23 676. Non, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais. Bah, franchement, elle tourne bien. Franchement, pour l'instant, je m'en suis bien servi et j'ai pas eu de problème. Voilà. Alors ensuite, le seul autre petit problème que je vais déjà vous dire tout de suite, voilà, le seul problème que j'ai trouvé sur cette tablette, c'est au niveau de l'agenda. Là, vous voyez, il est en semaine, et dès qu'on veut le passer en mois, voilà, eh ben, l'agenda, il plante. Voilà, c'est le seul défaut que j'ai trouvé sur cette tablette depuis que je l'ai. Ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Bon, en fin de compte, j'ai téléchargé Google Agenda, et puis le problème, il est réglé, quoi, voilà. Alors, ensuite, je vais aller dans les paramètres, vite fait. Bon, c'est des choses basiques, hein. Le Wi-Fi, Bluetooth, là, vous avez la consommation des données. Plus, il n'y a rien de spécial, mode avion, quoi. L'affichage, il n'y a pas de capteur, ça, c'est à savoir, hein. C'est-à-dire que le réglage de luminosité, il faut le faire manuellement. Il n'y a pas de capteur de luminosité, choses comme ça. Mais il y a quand même un capteur pour la rotation. Quand on joue à des jeux, ça y a, hein. Mais il n'y a pas de capteur là-haut. Alors, stockage, c'est 8 Go. Moi, j'ai mis une petite carte SD aussi de 8 Go. Pour l'instant, ça passe, quoi. Voilà. Bon, j'ai mis pas mal de petites choses quand même. Il me reste quoi, là? 2 Go. Et puis, sur la carte SD, il me reste 4,63 Go, quoi. Voilà. La batterie. Alors, la batterie, franchement, moi, j'en suis très content. J'arrive à tenir. Eux, ils donnaient sur les nouveaux, là, ils donnaient, je crois, 8 heures. Et moi, franchement, je fais toujours plus que 8 heures, quoi. Je regarde beaucoup, je m'en sers beaucoup pour regarder des vidéos YouTube, des replays télé, des choses comme ça. Et franchement, je fais plus que 8 heures, moi. Niveau batterie, j'ai rien à dire, c'est vraiment bien, quoi. Après, il y a un économiseur de batterie. Quand vous pouvez régler, genre vous pouvez le mettre tout le temps, ou alors quand elle arrivera en dessous de 15%, hop, l'économiseur de batterie se mettra tout seul. Bah franchement, pour une petite tablette à ce tarif-là, je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. Il y a un son Dolby. Bon, je vais pas vous faire écouter le son, à part tout à l'heure, je vous mettrai une vidéo YouTube, quoi. Mais là, je crois qu'il y a une petite démo, quelque chose chez eux, là. Ouais, démarrer la démo, ouais, bon. Ouais, je pense même pas que je vais le faire parce que pas que ça me pose un problème sur la vidéo, tout ça. Ensuite. Alors, ouais, je vous ai dit GPS. Voilà, sécurité, compte, etc., etc. Propos de la tablette, ouais, je vous ai dit, j'ai eu 2 mises à jour dès que je l'ai eu. Et là, comme vous voyez, elle est en 5, hein. 5.0, quoi. Version Android 5.0. Ah, vous voyez, hop, Lollipop. Bah après, je pense pas qu'elle va passer sur Marshmallow, mais elle est sous Lollipop, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, ce sera une vidéo assez rapide, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça marche bien. C'est assez fluide. C'est pas la meilleure tablette du monde, mais franchement, à ce tarif-là, il n'y a pas photo, quoi. Vous avez l'horloge, les alarmes, etc. L'appareil photo, je vous ai dit, c'est vraiment pour dire qu'il y en a un, quoi. Hein. J'ai testé Hangout, ça marche. Skype, j'ai pas essayé par contre. Calculatrice. Il y a la radio avec le casque. Mets un casque dedans. Bon, il faut avoir un casque, hein, un petit casque n'importe lequel. Là, j'en ai un, vraiment le casque basique qui vaut rien du tout, quoi. Vous mettez ça là-dedans, vous avez la radio. Ensuite, Météo France, c'est moi qui ai rajouté. Ça aussi, ça c'est moi qui ai rajouté. Ouais, Google Maps. Tout ça, c'est moi qui ai rajouté les paramètres. Play Store, machin.
vous montrer une vidéo sur YouTube, sur une de mes vidéos, quoi, comme ça j'aurai pas de problème. Voilà. Genre, ouais, tiens, je vais mettre celle-là, comme ça. Vous voyez un peu ce que ça donne. Hein. Voilà, le son, je vais vous mettre le son à fond. C'est un téléphone que j'ai acheté il y a à peu près un mois et voilà. Demi, deux mois. Bon, après, il y a beaucoup de reflets, etc. Bon, bah, ça, je suis désolé, hein, c'est comme ça, quoi. Mais, ouais, le wifi, j'ai pas beaucoup de wifi là où je suis par contre. Hein. À mon avis, ça va mettre longtemps à charger. Oui, non. Ouais. Je me dis au niveau du wifi, là, je capte pas super bien l'endroit où je suis, quoi. Mais elle marche bien, hein. Franchement, là-dessus, il n'y a aucun problème. Bah, c'est la seule chose, c'est vrai, la réception wifi, c'est léger, quoi. Je trouve que ça aurait pu être un peu mieux le niveau de la réception du wifi. Ça aurait pu être un peu mieux, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Je vous montrerai ça peut-être plus tard. J'essaierai de brancher quelque chose. Voilà. Ensuite, ouah, je vous dis, j'ai le bon coin dessus. Ici, vous voyez, j'ai SFR TV, ça marche. France Plus, Canal Plus. Si je regarde beaucoup de trucs en replay, ça marche impeccable, pas de problème. Google Chrome aussi. La même chose. Là, j'ai été sur le site de Lenovo directement. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Processeur quadruple MediaTek, MT8027 1,3 GHz, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire extensible, 32 Go, ce qu'ils disent. Haut-parleur en façade avec son Bluetooth. Ça, c'est vrai que le son en façade, c'est pas mal. Jack 3.5. La batterie 3450 mAh. Autonomie jusqu'à 8 heures, c'est ce qu'ils disent. Bon, moi, franchement, je fais un peu plus, je pense. Autonomie en veille jusqu'à 18 jours. Format IPS 1024x600. Tablette tactile, capacitif 5 points. Les dimensions, ouais, ça, c'est bon à savoir. Au pire, 105 sur 189, 9,3 mm d'épaisseur. Le poids, 269 grammes. Franchement, c'est super léger. Bon, la caméra, comme je vous ai dit, 0,3 millions de pixels. C'est bien qu'elle soit là, mais ça sert pas à grand chose. Vous ferez pas de photo avec, quoi. C'est pas pour vous prendre en photo, ça c'est clair, quoi. Accéléromètre, capteur de vibration, il y a un vibreur dedans. Bluetooth, Wi-Fi, GPS, ensuite là, ouais, Skype. Voilà, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Micro USB, carte SD, connecteur audio. Voilà. Bon, bah, espérons qu'ils vont la rembourser, quoi. Si je peux vous montrer, genre, sur le bon coin. Même niveau, niveau rapidité, franchement, ça marche bien et tout. Bon, là, j'ai pas super bien le wifi, mais hein, vous allez voir que ça marche, franchement. Même en passant directement sur le site directement, quoi. Continuer sur le web, oui. Continuer sur le web. Je vais continuer sur le web. Voilà. Non. Il m'a amené sur le Play Store, je crois. Non, c'est pas ce que je voulais. c'est quand on veut faire une vidéo qu'il y a un problème. Hein. C'est toujours comme ça. Quoi. Voilà. Bon, ben là, on va sur directement sur le bon coin. Pour le wifi, c'est vrai que j'aurais pu y penser. Parce que j'ai un petit adaptateur wifi pour avoir le wifi un peu plus balèze, quoi. J'aurais dû le mettre, quoi. C'est vrai. Je vais peut-être le mettre d'ailleurs. Je fais une petite pause et je reviens. Voilà, c'est reparti. Alors, on est sur le bon coin. Là, je vais vous montrer. On va mettre téléphone. Moi, vu que je suis intéressé par la téléphonie, on va chercher des choses dans la téléphonie. Même niveau écran, moi en général, bon là j'ai un petit peu plus de lumière que d'habitude, quoi. Mais en général, je laisse toujours l'écran au minimum, quoi. Bon après là, pour la vidéo, peut-être vous verrez pas bien, mais franchement, si je vous le mets à fond, allez voir, ça flash, quoi. Franchement, l'écran, il flash, y a rien à dire, quoi. Alors je vais le rebaisser un peu pour la vidéo, quand même. Je pense que là, c'est pas trop mal. Peut-être trop fort encore, je sais pas. Peut-être comme ça, c'est bon.
Bon ben voilà, vous voyez la fluidité, c'est franchement, il n'y a aucun souci. On veut zoomer, dézoomer, ça marche, il n'y a aucun problème. En bas, en haut, franchement, pour une tablette à ce tarif-là, c'est super. Bon, il n'y a pas de problème, vous cliquez sur un truc, ça s'ouvre direct, c'est pas un téléphone qui m'intéresse, mais bon voilà, les photos, ça fonctionne, il n'y a aucun souci, franchement. Voilà quoi. Si vous cherchez une petite tablette pas chère, qui marche à peu près bien, qui est à jour, parce qu'elle est quand même. Bon, elle est à jour entre guillemets, parce que maintenant c'est Marshmallow, mais disons, elle est quand même Android 5, quoi. Lollipop, c'est pas mal. Le son, je vais vous refaire écouter maintenant que j'ai un peu plus de Wi-Fi là. Je vais vous faire écouter le son. Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un P8 Lite. Voilà. C'est un téléphone que j'ai acheté il y a. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez vraiment le son en façade. Et non, franchement, c'est vraiment bien parce que ça nous permet d'avoir le son qui vient directement vers le visage et c'est super quoi. Voilà, là, vous voyez, je peux avancer. Hop, c'est réactif, franchement, il n'y a aucun souci quoi. Je pourrais vous faire genre une photo. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer sur cette petite tablette? Alors. Bon, je vais pas en faire des heures. Les jeux, ouais, j'ai testé les jeux. Alors, Real Racing 3, ça marche. Après, sur certaines courses, ça saccade un peu. Je pense que c'est pas vraiment fait pour ce genre de jeu-là, quoi. Maintenant, genre Subway Surfer, là, moi, je joue pas. Hein. Je les ai mis juste pour tester, quoi. Subway Surfer, ça marche. Il n'y a aucun souci. Voilà, quoi. Après, j'ai eu aucune application qui a pas marché. Les widgets, tout ça, il y a tout qui fonctionne quoi. Franchement, pour l'instant, rien à dire quoi. Si vraiment il y a des retours négatifs, je vous ferai savoir quoi. Mais pour l'instant, franchement, pour ce tarif-là, c'est super quoi. Niveau design, bon ben là en plastique, hein, c'est tout du plastique. Il n'y a rien de spécial, hein, mais bon, elle est pas trop lourde, elle est pas trop épaisse, ça passe bien. L'écran, franchement, bon, c'est vrai que c'est pas le dernier écran de l'année. Il est pas full HD, etc., etc. Mais franchement, il est très bon, je trouve. En tout, je vous ai dit 23 000-24 000. Android 5.0. Niveau musique, le son, c'est pas une chaîne ici, mais ça permet d'écouter un peu de musique, quoi. Vidéo, c'est très bien. Moi, je m'en sers beaucoup pour ça. Regarder des vidéos sur YouTube, des replays de télé, des émissions, des choses comme ça, ça marche super bien. Les jeux, comme je vous ai dit, genre petit jeu, Subway Surfer, des conneries comme ça passera super. Hein. Après, genre Real Racing 3, des jeux un peu plus comme ça, ça marche. J'ai joué ce matin, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais ça saccade un peu. Hein. Voilà, c'est pas. Voilà. Ensuite, niveau photo, vidéo, bon bah je vous ai dit, hein, photo vidéo, avec ça, vous en ferez pas. Hein. Si vous pouvez faire un peu de visio, genre en goutte, choses comme ça, voilà, c'est tout. Il y a quand même un GPS dedans, ce qui est pas mal. Et puis voilà quoi. Pour moi, bah les plus, c'est surtout le prix, parce que franchement, à ce prix-là, avoir un petit truc qui marche aussi bien, c'est presque incroyable quoi. Bon, elle valait quand même 100 balles à la base, hein. Mais si à la fin, avec le remboursement que j'ai déjà eu chez Carrefour, plus le remboursement de chez Lenovo, ça me fera une tablette à 39 €. S'ils me remboursent, franchement, à ce tarif-là, c'est super quoi. Je sais qu'elle est encore en vente. Hein. Parce que j'ai vu que là, il y a pas mal de promos en ce moment sur plein de produits. Et elle est toujours en vente. Et franchement, si vous voulez une petite tablette pas chère, bah, craquez. Hein. Il n'y a pas de problème, quoi. Je dis, ça, c'est fluide, ça marche bien. Ensuite, bon, dans les menus, il y a le principal. Hein. Franchement, ce qu'il y a besoin sur une petite tablette, il y a le Play Store, Google, Gmail, Map, bon, YouTube. 6play, c'est moi qui l'ai mis, play musique, l'agenda, il y a que ça que je vous ai dit qu'il y avait un petit défaut, c'est fait que j'ai mis Google Agenda, moi. En goutte, Happy Week, c'est moi qui l'ai mis, la batterie, pareil. Elle chauffe pas, par contre, ça aussi. Ce matin, j'ai joué pendant au moins 2 heures, franchement, elle chauffe pas du tout. Ça, c'est vraiment bien, quoi, elle chauffe pas. Calculatrice, recherche vocale, ça marche, hein, y a pas de problème. Là, je peux vous le faire. Le bon coin. Voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà, ça marche, quoi.
C'est pas une fusée, mais franchement, elle marche bien. Voilà. Pour ce tarif-là, c'est super, quoi. Chrome, les paramètres Google, bon contact, Dolby Audio. Bon, j'ai fait le test avec et sans. Ouais, il y a une petite différence, mais c'est pas énorme, énorme. Docteur Web, c'est moi qui l'ai mis. Les emails, voilà, radio, je vous ai dit, vous pouvez mettre un casque et vous avez la radio. France Info, la galerie, gestionnaire de fichiers, ça c'est moi qui l'ai rajouté parce que il n'y en avait pas à la base, ou alors je l'ai pas trouvé quoi, mais pour moi il n'y en avait pas quoi. Horloge, kiné, il y a un magnétophone, on peut enregistrer. Téléchargement, Google Traduction, j'ai une petite application. Il y a WPS Office aussi, pour ouvrir des PowerPoint, des choses comme ça. C'est intégré à l'intérieur. Voilà. Bah, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette petite tablette. Si vous cherchez une petite tablette, pas chère, ben, sautez dessus, hein. Parce que franchement, ce tarif-là, je pense que c'est pas possible de... J'avais déjà acheté une petite tablette dans le temps, que j'ai ramené au magasin, parce que c'était vraiment un truc aussi dans les 50 euros, et c'était une merde, pas possible. Je me rappelle plus la marque. Un peu toutes ces marques inconnues là, et c'était une merde pas possible. Celle-là, j'ai dit bon allez, elle vaut 100 euros, je vais tenter. C'est la première tablette que j'achète, hein. J'ai jamais eu de tablette, j'étais pas trop tablette. J'avais un petit PC portable, mais j'avais pas de tablette. Et franchement, j'y prends goût quand même, quoi. Si vous êtes pas tablette et que vous avez jamais essayé pour ce prix-là, faites un essai. Ouais, franchement, c'est sympathique, quoi. Presque, je serais prêt à en racheter une un peu plus grosse, quoi. Mais la taille 7 pouces, je trouve vraiment, c'est bien, parce que c'est transportable facilement, on la tient bien en main. Vous voyez, vous la prenez en main, franchement, c'est un peu comme un gros smartphone, on va dire, quoi. Voilà, on va dire qu'on a... C'est un gros téléphone, on va dire. Mais c'est un format que je trouve sympathique, quoi. Voilà. Bah, c'est tout ce que je peux vous dire, hein, sur cette petite tablette Lenovo. Et j'espère que ça vous aura plu. Bah, ça va vous intéresser. Puis, vous l'achetez pas, pour moi, ça changera rien. Hein. Mais si vous voulez savoir quelque chose, quoi que ce soit, je suis là pour répondre. Hein. J'ai répondu à tous les messages qu'on m'a envoyés pour le P8, là. Ou pour d'autres choses. Ce que je savais, d'ailleurs, parce qu'il y a des choses que je sais pas. Hein. Je sais pas tout. Hein. Je suis pas un professionnel. Hein. C'est une petite passion que j'ai. J'aimerais bien que des fabricants me prêtent des produits, mais pour l'instant, bon, j'ai contacté personne. Hein, faut dire, j'ai pas fait l'effort de contacter des gens. Mais ouais, j'aimerais bien qu'on me prête des produits à tester, quoi. Hein. Après, bon, j'aime bien garder les produits quand même. Les tester au moins 15 jours, un mois, pour vraiment donner un avis vraiment d'un produit testé, quoi. J'ai pas envie de tester un truc en 5 minutes et dire ouais, il est bien, quoi. Là, je peux vous dire que j'ai testé, ça fait plus d'un mois que je l'ai. Pour l'instant, franchement, j'ai pas eu un seul bug dessus, rien, pas une seule fois. Et pourtant, je n'arrête pas. Hein. Soit les vidéos, des replays, des choses comme ça, ça arrête pas quoi. Et franchement, j'ai pas eu un seul bug. Voilà quoi. Alors, je me dis à ce tarif-là, si vous avez jamais eu de tablette ou alors que vous voulez une petite tablette pour vous, votre femme, votre gosse, ouais, franchement, essayez quoi. Parce que franchement, mon petit cadeau de Noël, 39 euros, franchement, c'est bien, quoi. Super, un petit cadeau de Noël, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite tablette. J'espère que ça vous fera plaisir de voir une petite vidéo. C'est vrai que j'en mets pas beaucoup, vu que j'ai pas grand chose à tester. Là, le prochain petit test que je vais faire, j'ai changé de... Bah, je filme toujours avec mon Galaxy S4, d'ailleurs, hein, je précise. Et j'avais un iPhone 4, et là, j'ai acheté un iPhone 5S. J'ai toujours mon S4 et j'ai un 5S et je vous ferai un petit comparatif, mais je vous donnerai mon avis sur le 5S. Voilà, ça fait un petit 15 jours que je l'ai et je vous donnerai mon avis sur ce téléphone, est-ce qu'il vaut encore le coup ou pas quoi. Voilà, après j'ai un petit casque aussi à tester, je vous montrerai ça et voilà. Alors je vous remercie beaucoup, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine et puis à bientôt, hein. C'est tout ce qu'il y a à dire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis si vous avez des commentaires ou quelque chose à me demander, eh ben je suis là. Allez, merci à tout le monde. Au revoir.